un régime dictatorial aujourd'hui. C'est un régime dictatorial, comme vous le voyez. Même à l'époque du président Kabila, on n'a jamais vu ça. Les gens ont marché. Là, on ne sait même plus marcher. Alors que c'est une marche pacifique pour protester contre un processus électoral chaotique, contre la vie chère et contre l'oppression. L'oppression, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est inacceptable. Cette marche disait quoi exactement? La marche ici voulait justement protester contre un processus électoral chaotique qui prépare justement le président Tshisekedi à prendre le pouvoir de force. Deux, la vie chère. Tout le monde sait aujourd'hui que les gens sont impayés. Il y a des gens qui ont 11 mois d'impayement de salaire. Les prix montent tous les jours. Les taux d'échange se déprécient chaque jour. On ne peut pas avoir un régime qui ne fait que s'enrichir et la population ne fait que s'appauvrir. On n'a jamais vu ça. C'est quoi les solutions que vous... Mais les solutions, il faut que ces régimes s'arrêtent. Il faut que le processus électoral soit revu et que le processus puisse conduire à l'élection des candidats qui sont aimés par la population. On est en train de préparer un processus pour élire des gens qui sont détestés par la population. Vous les voyez vous-même. Voilà. Merci.